travaillé à l'école cubana danse depuis 2 années consécutives. Et puis vous venez de voir l'école d'afro contemporain qui est un cours adressé aux danseurs avec niveau intermédiaire, mais on reprend l'année prochaine niveau débutant. C'est un cours qui mélange l'expression corporelle, l'afro, le langage contemporain. Et on fait un travail sur l'espace, l'isolation des parties du corps, l'intégration de la racine afro-cubaine. Ça fait un an que je suis à Cubana Dance. Donc on découvre salsa débutant. Et salsa débutant en séance, c'est un grand pour le lundi. Le mercredi, on découvre des yoruba, salsa style, salsa intermédiaire. La danse cubana, on ne l'a pas fait cubain. On prend son tour à danser dans le rythme de la musique avec l'esprit de la danse cubaine. Va aprendre à reconnaître les principaux rythmes qui interviennent dans la rumba, l'intervention de la clave, les repères avec les quintos. Et c'est très enrichissant parce qu'il y a une autre dimension qui ne correspond pas seulement à la danse, sino à la musique, qui correspond à l'interprétation, qui correspond à enrichir tout ce qui vient de notre culture cubaine. Mercredi, je donne des cours d'afro-haïtien. Afro-haïtien avec rumba, rumba pour les filles, pour les femmes, pour travailler la féminité, le travail des jupes. On va travailler aussi avec les chats, on va travailler aussi avec les foulards. Ça va démontrer aussi les filles la féminité, comment utiliser, comment danser la rumba sans jupes, avec des jupes, avec des foulards, avec un choix. 7, 8, 2, 3, on y va. 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8. L'année prochaine, je donne le cours ici à les centres pour les danses, des sons rumba, voilà les danses traditionnelles cubaines. Le jeudi, je suis à Saint-Germain à l'air, cours de salsa, salsa intermédiaire et cours de rumba. Mercredi, je suis à Montreuil dans les studios Albatros. C'est là où on donne les cours de salsa, salsa intermédiaire et rueda con rumba.